staan we echt niet in. Ik heb een druk. Zo, John. Het is een andere spoor. Papa, wat staat dit voor? Ons dag is drukken. Eerste. Dit is het zitten, man. Für Ihnen ist gut Englisch und Französisch. Deutsch oder Englisch? Ja, Englisch. Englisch, ja, Englisch, Englisch, Englisch und Französisch. Ladies and gentlemen, welcome on board. My name is Eric. I will be your parchment and guide for the next 50 minutes. Donc, bienvenue à bord. Donc, mon nom c'est Eric et je serai votre battalion. The St. Michael's Church. As you see, it's a huge church. It was the church of the brewers, very important people in the Middle Ages. So we are now in the medieval harbor of Ghent. It dates of the 11th century, so this is old. At this time, it was the second biggest harbor north and in front of the St. Nicholas Church. So Ghent was called the Manhattan of the Middle Ages because only in Ghent you had three giants. So on the left hand side you have a nice boat. The original boat was a public transport between Ghent and Bruges. It took 4 hours. Now it's a party boat. You can rent it to have a party. Donc le bateau à votre gauche, c'était un transport en commun entre Ghent et Bruges. Donc ça prenait 4 heures et maintenant c'est un bateau que vous pouvez louer pour organiser une fête. So the large building at the back in the left hand side was the courthouse, Palace of Justice. Donc le grand bâtiment à votre gauche, c'est le Palais de Justice. Inside there is a man, and the man represents the Scheldt, because Scheldt is masculine. Donc on quitte maintenant la rivière la Lys et on continue sur un canal. Ici à votre droite, premier étage, il y a une femme. La femme représente la Lys. Et là, Lescaut, c'est masculin. Behind the buildings on the left hand side there is a very nice square called the Carter. Every Sunday morning on the square there is a very nice left hand side you see a church. The church is for sale. You can buy it for 1 euro, but you have to do the complete renovation. Donc en rouge, en vert et en jaune, ça a été dessiné par Gustave Eiffel, donc celui du...
kinds of fishes living in the water and two kinds of poissons qui vivent dans l'eau et deux groupés. Mais ce n'était pas toujours le cas, ça vous pouvez voir là en haut. Donc l'eau était vraiment très polluée et ça puait énormément. So now we are entering the gate towards the devil. Donc maintenant on entre la porte vers le diable. The castle of the devil, le château du diable. So the man who lived here called himself Napoléon lui-même, il a reçu la Légion d'honneur, le premier étranger jamais. Et il est mort à Paris en toute pauvreté. Church we saw already before the Saint Michael, sir. Donc, vous venez de la France ou Belgique? So here on our left-hand side, you see there are two swans on the facade. When two swans face each other, they make a heart. So that's a symbol of love, of fidelity. But here you see they do not face each poisson. C'est le seul façade en bois de Gand.
the medieval times, the count's castle was also a courthouse. So the laws were like that, that you had to... Oui, mais on vous aidait. Avouez, donc on vous torturait. Il y a encore la salle de torture dans le château que vous pouvez visiter et vous pouvez même la louer. Et parfois, les jeunes gens louent la salle de torture pour se... So now the Butcher's Hall is a promotion center for local products, but very nice to visit because inside you have a very impressive Beaucoup, mais ça vaut. So behind the building, this was a kind of Romeo and Julia story in Ghent. Two noble families killed it. En haut, c'est la plus vieille cheminée carrée de Gand. So this was the old industrial quarter of Ghent. And at the back, the apartment building. À l'arrière, c'est le deuxième. But they are from Bangladesh, and so they belong to the restaurant who is one of the best PO restaurants, and you can also eat there the local dish, Ghentse water. Donc les jolis bateaux sont faits à la main à Bangladesh et ça appartient au restaurant où vous pouvez aussi manger le plat local Ghentse water. Have defended us against the Spanish, but it shot only twice, and there were more people be dead. J'espère que cela vous a plu et je vous souhaite encore une très bonne soirée à Gand.